Mes amis nomides, bonjour. Oui, je suis dans un endroit très très agréable. Je pars pour un nouveau voyage. Vous allez pouvoir me suivre. Je suis à 1600 abonnés. C'est énorme pour moi. Je ne pensais pas un jour arriver à 1600 abonnés. Donc c'est avec grand plaisir que je vous invite à me suivre pour 3 mois, normalement 3 mois, dans ce long voyage, dans ce long périple, avec, j'espère, plein d'aventures. Et avec mon vélo, cette fois-ci, oui, je repars pédaler avec mon vélo. My beloved friends who speak English, well, please listen. You will need to follow me by utilizing subtitles. I wouldn't be able to make videos in English at the same time. I'm sorry, but welcome. I saw on YouTube that some English speakers were tracking me, so I extend an invitation to you to keep following me with great pleasure. Amigos españoles, seguirme con subtítulos, igualmente, lamentablemente. Lo siento, no puedo hacer varios idiomas al mismo tiempo porque a los franceses no les gustaría mucho. Meine deutschen Freunde, ihr werdet mir auch mit Untertiteln folgen. Es ist mir ein Vergnügen, Sie mit mir einzuladen. Amici italiani, italiano, questa volta non andrò in Italia, quindi niente pizze, eccetera. Come il viaggio precedente, vado più lontano, ma ho visto italiani seguirmi, quindi seguite ancora una volta. Parto in Asia. Benvenuti amici italiani. そして私たちは日本の友達と一緒に終わります。私のチャンネルをフォローしてくれる日本の皆さんを見ました。特に音楽チャンネルをノーミッドラバーの方々は知らないです。はい。日本の友人たち、アジアでも私に従ってください。字幕を見てください。世界中の友人たち、私はあなたをアジアに連れて行きます。Bon, je suis bien arrivé à CDG. Le problème, c'est que bah, je suis bien chargé. D'ailleurs, je me suis amusé à peindre. Fragile cycle sur mon sac. C'est joli, non? Et le problème, c'est que, ben voilà, la SNCF, encore, c'est mes copains la SNCF. Ah oui, au fait, hier soir, je devais rentrer chez moi, je devais arriver chez moi, passer une petite soirée. La SNCF, non, il n'y a pas eu de train, annulé, supprimé. Donc j'ai pris un fixe bus de Marseille à chez moi. Merci SNCF encore. Escalator en panne, je sais pas comment je vais faire. Ou plutôt si, je sais comment je vais faire. Il va falloir sortir les muscles. Vélo enregistré, 100 euros. C'est ça, chef? 100 euros. Voilà, 100 euros. Donc pour ceux qui sont intéressés, 100 euros pour aller à Hanoï avec le vélo enregistré. Bon, 200 dollars pour passer le vélo. Il y a deux filles qui sont passées juste avant. Ils se sont trompés chez Air France. Ils leur ont fait payer 100 dollars dans des énormes cartons. Donc j'ai un petit peu les boules. Donc faites attention si vous prenez Vietnam Airlines via Air France. Les prix sont différents. Chez Vietnam, c'est 200. Chez Air France, c'est 100 euros. On peut presque acheter un vélo à Hanoï à ce prix-là. Je suis en plein centre de Hanoï. Je suis arrivé au Vietnam ce matin. Suivez-moi vers de nouvelles aventures. Il va se passer, j'espère, plein de choses puisque j'ai amené mon vélo avec moi. C'est parti. Et mon premier café à Hanoï, premier café au Vietnam. En plus, c'est super bon. Alors pour nous tous, l'Asie s'est associée forcément au thé. Bah, figurez-vous, ça, pas grand monde ne le sait, figurez-vous que le Vietnam est le deuxième producteur mondial de café après le Brésil. C'est énorme. Et donc forcément, ils sont spécialistes du café, ils le font à toutes les sauces avec de la glace, comme je suis en train de le boire en ce moment, chaud avec du lait, enfin bon, tout ce que vous voulez, il y a toutes sortes de cafés. À part que bon, les grains, c'est du Robusta, mais c'est les spécialistes du café. Eh oui, ce soir, ça va être un tour avec la nourriture. Je vais vous emmener faire un tour dans la nourriture de quartier, Food Street. Ok, on est avec James, donc c'est notre guide qui va nous guider pour la nourriture dans la ville. Et puis, il y a un petit groupe avec nous, un petit groupe international. On va faire les présentations. Alors ce soir, on teste le... C'est pas un faux, c'est... je sais pas comment on dit en vietnamien, mais le bœuf est cuit dans du vin rouge. D'où la couleur rouge. Voilà. Et je suis avec Alexandra du Canada, ma copine du Canada. Salut. Et puis on a aussi l'Australien. Hello. On a aussi l'Allemagne ici, l'Allemagne. On a la Colombie et l'Australie encore une fois. Et puis James ici, voilà. Petite parenthèse sur le feu. Alors le feu, c'est vraiment le potage qui représente le Vietnam. Si vous trouvez un restaurant en France vietnamien où il n'y a pas le feu, c'est en général que c'est tenu par des Chinois. Donc c'est pas un restaurant vietnamien. Et ici, nous sommes au Vietnam, il n'y a donc que des vrais pho.
C'est vraiment succulent. À l'origine, le feu vient du nom pot-au-feu. C'est tout bête, hein. Parce que les colonisateurs, nous-mêmes en l'occurrence, qui mangeons du pot-au-feu, ben, ont laissé le reste à la cuisine. Et donc les Vietnamiens qui travaillaient à la cuisine prenaient les restes du bœuf, les os, etc., faisaient bouillir très longtemps et obtenaient ce bouillon. Et avec ça, ils n'avaient plus qu'à mettre un petit peu de vermicelle, de riz, dans ce bouillon, avec un petit peu de citron, un petit peu de piment, un petit peu de coriandre, et voilà, ils avaient le fameux feu. Bon, on en est au dessert. Et là, la carte, c'est la folie, hein, c'est complètement la folie. Alors des desserts de folie avec coconut, durillon, noix de coco, il y a un peu de tout. Et là, on ne reconnaît pas les plats qu'on a commandés, donc c'est rigolo, quoi. Yeah, thank you. Yeah. Bye bye. Bye. T'en vas demander un truc. Excuse me. C'est pas trop lourd? C'est pas trop lourd. Do you speak French? No, is it heavy? It's not too heavy. It's not too heavy. Bon, un tailleur qui s'appelle Cazzo, il fera pas beaucoup d'affaires en Italie. Bon, ma balade nocturne avec la nourriture, découverte de la nourriture est terminée. Et donc maintenant, je rentre à l'hôtel tranquillement et peut-être un petit massage, parce que les massages ici, une heure de massage, 10 euros, je pense qu'après le train, l'avion, l'attente dans l'avion, ça va faire du bien. Alors à la prochaine vidéo, à très très bientôt, ça va continuer, il m'arrivera encore d'autres trucs. Ciao. Thank you.